du Moyen-Âge, en fait, c'est un ensemble de vêtements. Donc, en fait, elle n'a pas du tout une connotation féminine dans les écrits médiévaux. Et c'est au XVe siècle aussi une sorte de houppelande qui va être portée par les hommes et par les femmes. Donc, le côté féminin du terme lui-même n'est pas du tout revendiqué pour le Moyen-Âge. On va avoir une mode mi-11e, 12e, 13e, qui va pouvoir être qualifiée d'unisexe. Parce qu'à ce moment-là, on va avoir une cotte pour l'homme et la femme, et un surcot pour l'homme et la femme qui vont être quasiment identiques, à part quelques petites adaptations. La robe va aller jusqu'aux chevilles pour les hommes. Pour les femmes, elle va vraiment couvrir le pied et les hommes vont avoir des aménagements pour se mouvoir plus facilement. On appelle ça la révolution du costume court, parce que cette fois-ci, l'homme va porter un vêtement en deux pièces, donc un pourpoint, agrémenté de choses pour recouvrir les jambes, c'est des sortes de bas. La femme, elle, va rester dans un vêtement qui est un vêtement long, un vêtement qui couvre l'entièreté des jambes et les bras. Les vêtements de pouvoir sont des vêtements longs. Il y a aussi toute une catégorie institutionnelle qui va continuer à porter ces vêtements d'autorité. Donc on aura l'université, la magistrature, et puis bien sûr, tout ce qui recouvre le personnel ecclésiastique. Le vêtement ouvert, la robe, la jupe, n'a pas été adopté par les hommes, sauf à la marge. Pour un homme, porter une jupe, c'est s'exposer à des agressions multiples dans l'espace public. Il y a de l'homophobie, de la transphobie déclenchée par le port d'un vêtement identifié encore au féminin, même s'il est accessoirisé au masculin.